Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va jouer à Clash Royale, donc on va pas vraiment jouer, on va regarder deux vidéos, donc aujourd'hui pas d'ouverture de coffre, ça c'est pas pour maintenant. Ah non, vous l'aurez pas, non, non, vous l'aurez pas. Voilà, donc on va pas faire d'ouverture de coffre, on va juste, donc comme vous voyez, c'est revenu à la normale, hein, donc enfin, le Clash Royale est à sa taille normale, hein, pas comme avant, il était tout réduit là, c'était tout pourri là, oh là là. Voilà, donc du coup, ce qu'on a fait, en fait, j'avais installé un logiciel qui faisait réduire enfin bon, c'était de la merde. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, on va regarder la vidéo. Et puis voilà. Bah, je vous dis à tout de suite pour regarder les vidéos. Et puis voilà, et c'est parti. Alors, première vidéo, les gars, attention. Ça va être pas mal, hein, franchement, si je me rappelle bien, ouais, donc là, ouais, c'est quand, ouais, d'accord, c'est bon, donc du coup, bon, lui, hop, tu vois, direct, il envoie la patate, tu vois, bon, il nique bien, tu vois, le délire, c'est comme ça, tu vois, putain, l'enculé, tu vois, non, mais avec son sort, là, pff, oh, du coup, j'ai dû envoyer des archers comme un con, bon, ça va, j'ai quand même mis un peu de dégâts, mais pas tant que ça, tu vois, je suis vraiment mal parti, quoi, c'est la merde, et pff, voilà, mais bon. C'est voilà, c'est comme ça, c'est bon, c'est pas très grave non plus. On va pas pleurer. Hein, voilà. Donc du coup, petit à petit j'attaque. Franchement une attaque. Enfin une attaque plutôt intense, plutôt bien chargée, je trouve. De la défense, de l'attaque, de. Pff, voilà, vraiment de un peu de tout. Là je me suis dit bon je vais laisser le Hog Rider, j'ai vraiment envie d'attaquer, de lui défoncer sa tour. Malheureusement, bon bah comme vous avez vu, il m'a bien défoncé ma tour. Voilà. C'est vrai que c'est un peu con, mais bon. Voilà, c'est pas très grave, j'ai fait ce que je pouvais, quoi. Hein. Voilà, donc vous voyez, putain, son sort de GL, sort de rage. Le mec, il a vraiment tout pour me contrer et pour essayer de niquer le plus vite possible mes tours. Enfin, c'est un truc de fou. J'ai fait, non, mais c'est pas possible. Putain, c'est quoi ce délire, quoi. Mais malgré tout, j'ai réussi quand même à un peu rattraper. Vous voyez, quand même, on est plutôt bien, quand même, du coup, là. Hein. On a plutôt bien rattrapé, malgré tout, qui nous a gelé, tout ça. On a quand même bien joué, je trouve. Enfin, personnellement, enfin, je trouve que j'ai bien joué. Et puis voilà. Bon, là, voilà, hein, j'envoie quand même mon dragon pour pas non plus qu'il nique ma tour gratuitement. Voilà, donc je me dis, ouais, tu vois, j'envoie le dragon. Et puis derrière, hop, j'envoie l'autre, là, je sais plus comment ça s'appelle. La mousquetaire, normalement. Non, j'envoie les archers, du coup. Ah ouais, la mousquetaire et les archers, d'accord. Ça passe bien, ça passe bien. Voilà, donc du coup, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc hop, j'attaque, tranquille, pépère. Et malheureusement, il envoie son ballon. Mais, c'est pas grave, je défends. Sauf que, bah, lui aussi, il défend. Et ouais, non, mais bon. Et voilà, donc, du coup, bah, j'ai le démon. Bah, vous avez vu, quand même, c'est la merde. C'est vraiment la merde. Le mec, il est là, il. Pff, oh là 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 là. Il me défonce, un truc de ouf. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je sais pas du tout commenter. Hein. Je pense que ça se voit extrêmement beaucoup. Mais on commente, voilà, on est des fous, nous, on commente. On est comme ça, tu vois. On connaît pas le game, mais on commente quand même. Voilà, donc du coup, c'est quand même plutôt pas mal, je trouve, c'est quand même plutôt bien parti, là. Bon, on est démembré, ça c'est sûr, on peut plus trop se défendre, on est démembré. Il nous envoie un putain de ballon, les gars, regardez, il nous gèle, il nous envoie un ballon, on est dans la merde, là, putain, on est dans la merde, on peut plus rien faire. Regarde ça, j'envoie mes archers, boum, il me reste quoi, il me reste 76 points de vie, les gars, mais regardez cette remontée de ouf. Le mec, il s'est dit, tiens, je vais le défoncer. Bam. Et le mec, il me reste 76 points de vie, le mec. Et bim. Putain, je lui détruis sa tour principale et je gagne, les gars. Oh, c'était pas... Oh, mais... C'est épique, ce combat. C'est épique, les gars. C'est un truc de fou. Ça, c'est du combat. Regardez un peu. Il doit être dégoûté, mais carrément. Il doit être grave dégoûté, les gars. C'est un truc de ouf. Franchement, je suis bien content de ce combat. C'est un truc de malade. Alors là, j'ai pas compris. Il y en a un, il a rejoint le clan. Il est parti. Oh, puis il a rejoint. Puis, bah, puis il est parti. Le mec, il sait pas quoi faire, tu sais. Bon, toujours, des fois, ça bug toujours. Comme ça, la souris, là, qui... Enfin, je sais pas pourquoi. Elle, voilà, des fois, la souris qui lag. Enfin, la souris, c'est même pas la souris. C'est l'émulateur qui fait n'importe quoi. Je comprends pas. Enfin, bon. Grâce à mon logiciel, j'ai réussi à régler ça. Seulement, bah, vous avez vu, ça faisait une petite fenêtre de merde. Donc, du coup, bah, pff, laisse tomber. Ça m'a saoulé, donc du coup ce qu'on va faire, donc là il y a le coffre, ouais on s'en fout, on va aller chercher l'autre,
l'autre, enfin je vais chercher l'autre truc à visionner et puis du coup on se dit à tout de suite, c'est parti. Voilà donc les gars, alors regardez bien mes tours, donc là on est niveau 6 contre niveau 6, regardez bien mes tours, ils sont à 2030, donc comme la personne en face, et retenez bien ce chiffre 2030, il faut le retenir, franchement je vous assure. Voilà donc, alors on attaque tranquille avec un dragon, avec le mousquetaire derrière, enfin la mousquetaire derrière, et le chevalier, voilà donc ça fait une bonne compo, sauf que là bon malheureusement il avait son géant, tout ça, du coup ça a fait de la merde, mais bon c'est pas très grave, donc du coup là hop là voilà il envoie ses troupes, nous aussi on défend comme on peut, un combat serré de chez serré, c'est moi qui vous le dis, et franchement épique. Épique, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, donc parce que j'avais j'avais celui-là comme gameplay, donc du coup bah j'allais faire ça et puis après attaquer un petit coup. Seulement j'ai deux gameplays quand même plutôt magnifiques, donc le premier qui était quand même plutôt magnifique, et celui-là qui est plutôt épique. Franchement, c'est pas du gameplay tu vas trouver ça plutôt beau, mais tu vas trouver ça magnifique, tu vois le délire, c'est enfin épique, voilà, tu vas trouver ça épique et pas beau, tu vois, parce que beau c'est waouh, il y a de l'explosion, il y a du truc, des machins, de l'attaque, enfin des trucs de ouf, des explosions de partout, des machins, alors que là c'est pas trop le cas, là c'est juste l'action qu'on fait, enfin vraiment le résultat et tout qui est épique, c'est un truc de ouf. Alors voilà, on fait ce qu'on peut, on grignote la tour, on défend, on attaque, et franchement, vous allez voir, c'est plutôt magnifique. Pour l'instant, hop, donc là, il envoie son machin, moi, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, j'envoie mes petits squelettes à un point, comme ça, oh là, hop, je défends. Le mec peut rien faire, là, hein, le mec avec le petit squelette, là, voilà, le mec tranquille. S'il envoie pas de troupes, c'est sûr, son prince, boum, il se fait, clop, il se fait couper, quoi. Voilà, donc là il y a les barbares, bon pas de soucis, moi j'envoie le bomber qui nique beaucoup les barbares, c'est un truc de fou. Voilà, donc ça défend extrêmement bien, c'est vraiment un deck qui défend beaucoup. Malheureusement, au moment, je suis tombé sur un P.K., mais un vrai P.K., hein, pas le mini, tu vois, un vrai P.K. Impossible de défendre, les gars, je comprends pas comment c'est possible d'avoir une troupe comme ça, c'est un truc de ouf. Voilà, donc là vous voyez, on est vraiment must du must, c'est un truc de fou, quoi. C'est genre un truc de ouf, regarde. Boum, hop là, on défend un max. Regardez ça un peu, c'est un truc de ouf. Franchement, on est en mode... Oh là là, mais défense de ouf les gars, défense de ouf. C'est... comment dire, c'est quand même... c'est épique les gars, c'est épique, j'ai un truc de ouf. Voilà, donc, vous voyez un peu, on arrive à la fin, donc 5, 4, 3, 2, 1... Et on a fini, regardez, on est à 2030, les gars, 2030, on n'a pas perdu un seul point de vie. Mais c'est, oh, c'est pas épique, pas un seul point de vie perdu. C'est magnifique. Franchement, c'est what the fuck, tu vois, il y a le épique, il te reste 7 ou 1 point de vie sur ta tour et t'arrives à gagner à tuer le mec en face, et t'as le épique où carrément tu perds aucun point de vie, quoi. Ça c'est énorme, franchement un deck super sympa, voilà, donc voilà, c'est plutôt pas mal, et puis voilà, donc du coup par rapport au P.K., hein, franchement il m'avait niqué, mais il m'a écrasé, c'est impossible de défendre contre le P.K., hein. Il est trop puissant, voilà, puis après je sais plus ce qu'il y avait d'autre que j'ai perdu, enfin bon, ouais. Mais bon. Ah oui, l'Arkix aussi, le truc d'enculé, le mec il a mis l'Arkix sur la tour, malheureusement, bah, le temps de défendre, et bah, il m'a niqué ma tour en 2 secondes chrono, quoi. C'est un truc de ouf. Bon voilà, donc du coup on se quitte là, voilà, je vous dis ciao, j'espère que ça vous aura plu, moi je vous dis une prochaine vidéo, je vous dis ciao, et puis voilà, et ciao tout le monde, ciao.